Hey, salut, c'est Xenomix, bienvenue dans Foulouto. Bah écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Ça fait pas mal de temps que je voulais la faire. C'est la première édition des vidéos que je vais intituler l'atelier. Voilà, nous sommes donc sur l'atelier de chez mes parents. Voilà, je passe pas mal de temps ici, donc c'est pour ça un petit clin d'œil l'atelier. Hein, vous avez vu, ultra bien rangé. Là, franchement, atelier de compète. Bref, en tout cas, bah écoutez, je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc l'atelier, je vous explique un petit peu le principe. Déjà, je vais me présenter un petit peu, parce qu'effectivement, ça fait 3-4 mois que je fais des essais auto et que vous me suiviez. Voilà, donc moi, je vais me présenter, puis ça va permettre également de pouvoir un peu échanger sur le futur de la chaîne. Qu'est-ce que je pense vous proposer? N'hésitez pas, voilà, j'attends surtout votre retour par rapport à ce que je vais vous proposer, par rapport à ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez avoir un peu plus. Des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas, franchement la vidéo elle est faite pour ça, c'est pour interagir entre vous et moi. Voilà, donc effectivement c'est un premier petit bilan parce que la chaîne a en gros 4 mois, on est à 325 abonnés ou 328, enfin bref, un peu plus de 320, donc je suis plutôt content du résultat. Enfin, de toute façon, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Ouais, et franchement, déjà, d'ores et déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me suivent. Je vois qu'il y a des personnes fidèles qui regardent les vidéos à chaque fois, qui mettent un petit commentaire. Et franchement, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, moi, franchement, je suis là pour échanger. Je fais ça par passion. Il n'y a pas d'argent en jeu. Et c'est plutôt sympa. Voilà, en tout cas, moi, j'espère vraiment que vous passez un bon moment derrière votre écran lorsque vous regardez mes vidéos. C'est tout le but, hein, clairement, c'est de passer un bon moment et d'échanger par la suite. Et donc, vraiment, un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké les vidéos. Franchement, moi, ça me donne la pêche pour continuer et pour démarcher et harceler les concessionnaires et les marques pour essayer de vous dénicher des essais. Donc je vais me présenter un petit peu. Bah écoutez, donc je m'appelle Aizenemix, j'ai la trentaine passée maintenant. Je suis architecte et j'ai toujours été fou d'automobile. J'ai toujours aimé un petit peu le sport auto, que ce soit le rallye, le circuit, la Formule 1, etc. etc. L'automobile en règle générale. J'ai pas eu beaucoup beaucoup d'automobiles, hein. J'ai commencé par une petite Micra de essence. Après effectivement je suis passé sur une Twingo RS Gordini. Franchement super bagnole. Super châssis, 133 chevaux, franchement je me suis régalé, j'ai eu très très bons souvenirs avec cette auto que j'ai regardé, ouais, un peu plus de 3 ans. Après effectivement, bah, je suis devenu papa, parce que je suis papa d'une petite fille, et donc voilà, on a pris une voiture familiale, enfin familiale, petite mais 5 portes, donc c'était une Yaris qu'on a gardé 2 ans, et là je viens juste d'en changer, et je suis passé sur un Volkswagen Tiguan TSI 150 chevaux, plutôt sympa. Franchement, voilà, il y a de la place. Enfin bref, c'est pour la famille. Et en parallèle, effectivement, j'ai fait acquisition avec mon cousin GG alias Jetson Setley d'une Mazda MX-5 NB de 2008, achetée en Angleterre, donc volant à droite. Voilà, c'est le modèle 1.8, 146 chevaux de base. Alors, comment on va s'organiser un petit peu la chaîne? Eh bien, je vais continuer les essais auto, hein. Je vais essayer effectivement de pouvoir d'essayer d'alimenter le contenu par un essai tous les 15 jours. Je vais essayer d'y tenir. Franchement, ça dépend un petit peu comment j'arrive à négocier des essais. C'est pas facile. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal de travail derrière pour essayer de dénicher des essais, des partenariats, etc., etc. Je suis plutôt satisfait parce qu'effectivement, j'ai eu mon premier parc presse qui m'a été ouvert, celui de Citroën. Notamment avec l'essai de la dernière C3. Voilà, franchement, je suis vraiment très très content. Je suis vraiment tombé sur les personnes sympathiques qui ont prêté attention à mon travail. Voilà, franchement, ça fait plaisir parce qu'on se dit, voilà, il y a quand même des professionnels qui ont vu mon travail et qui se sont dit, allez, tiens, on va faire quand même confiance, machin, etc. Donc, franchement, c'est encourageant. Le deuxième axe que je vais développer sur la chaîne, c'est le track MX. Donc, en fait, voilà, effectivement, j'ai acheté une MX-5 avec mon cousin GG. En Angleterre, un petit budget dans le but effectivement de l'améliorer pour faire des track days. Je vous ferai une petite présentation rapide vraiment de la voiture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à un petit commentaire. Et je vous ai fait effectivement le premier MX Track à Spa-Francorchamps qui était la semaine dernière. Donc là, le montage est en cours. J'espère que ça vous plaira. Pareil, et franchement, il y a eu super beau temps, des belles voitures. Les mecs sont venus en semi-remorque, nous on était là, on vient par la route et puis on roule avec notre voiture. Non, non, eux ils sont venus en semi-remorque, donc on a des très très belles autos qui ont tourné, que ce soit des contemporaines, des anciennes, des Alfa Romeo, des Porsche, etc. Donc franchement, sur un circuit mythique, donc ça c'était vraiment très très bien. Et donc effectivement, on a 4-5 dates dans l'année, on va faire Magny-Cours, on va faire Bresse, on va faire La Ferté-Gaucher, etc., etc. Donc je vais vous présenter ça effectivement au cours de l'année.
Et enfin, pour terminer, j'aimerais développer le parole de passionné. Parce qu'en fait, effectivement, si vous êtes derrière votre écran, c'est que vous attachez une importance plus ou moins grande à l'automobile ou au sport auto. Et bah écoutez, en tout cas, moi, mon but, effectivement, c'est d'interagir là-dessus. Donc, si vous êtes passionné, si vous avez une belle auto, si vous faites partie d'une team ou d'un rassemblement ou je ne sais quoi, et que vous voulez partager, bah, vous n'hésitez pas. Vous m'écrivez, le mail sera dans la description. Vous m'écrivez un petit mail, vous mettez 15, 5, 10 lignes. Vous me présentez un petit peu qui vous êtes, votre auto, votre histoire, etc. Et si ça match, eh bien, on se rencontre, on fait une petite vidéo. Voilà, parole de passionné, vous me racontez votre histoire, vous me présentez votre auto. Et voilà, je pense à tous les propriétaires de Youngtimers. Et ben là, voilà, c'est le genre de choses que j'aimerais bien développer. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir par commentaire également. Vous prenez contact, il n'y a pas de problème. Franchement, on discute par mail, etc. On s'appelle et on fait un petit rendez-vous et puis c'est parti. Alors au niveau du setup, ben, je vous présente. C'est très très rapide, il n'y a pas grand-chose en fait. Je débute, je débarque, je fais ça avec mes moyens. Donc en fait, ben, j'ai une GoPro avec un petit micro déporté, une lampe à la base qui s'adapte sur une GoPro qui est pour la plongée mais qui m'aide bien. Donc ça balance, ça crache assez pas mal dans les petits recoins pour faire une belle lumière. Voilà, un petit micro-cravate, quelques batteries, quelques cartes mémoire d'avance. Je fais ça avec les moyens du bord, j'ai ma petite perche comme ça, enfin vous m'avez vu pendant les essais. Et le reste, bah écoutez, hein, c'est au feeling quoi. Et voilà, bah écoutez, c'est le moment de se quitter. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, je pense que j'ai respecté le timing. Voilà, n'hésitez pas, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai proposé, de commenter, d'interagir, vous me dites ce que vous en pensez, prenez contact avec moi si vous avez une voiture que vous voulez présenter, que vous voulez qu'on en parle. Voilà, si vous avez des questions sur la Mix 5, sur les track days, acheter en Angleterre, comment, pourquoi, etc. N'hésitez pas également, je prendrai vraiment le temps de vous répondre, ce sera avec vraiment très très grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tu as aimé la vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, franchement. Je me permets de le dire parce que voilà, il faut comprendre que nous, youtubeurs, si vous voulez, pour qu'on existe un petit peu, plus t'as plus bleu, plus t'es référencé, plus t'as l'impact vis-à-vis des marques, vis-à-vis des concessions, des choses comme ça. Donc voilà, franchement, si t'as aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu peux dislike. Franchement, c'est ton choix, moi, il n'y a pas de souci. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao, bonne route!